Ah bonjour, vous êtes là ! Je vous attendais. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1 c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un Grand Prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Aujourd'hui, tournons-nous vers un autre outsider de sa génération, un pilote réputé pour sa classe aussi bien sur qu'en dehors de la piste, et ses performances inquiétantes pour ses rivaux, David Coulthard, et de sa course du 2 juillet 2000 lors du Grand Prix de France à Magny-Cours. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Écossais qui contribuait aux beaux jours de McLaren dans les années 90-2000 et qui se demanderaient pourquoi sur ses 246 départs en F1, ce Grand Prix se démarque plus que les autres, eh bien laissez-moi d'abord faire les présentations. D'ici, David Coulthard débute chez Williams en 94 en remplaçant le pilote le plus difficile à remplacer qui soit pour un débutant suite à la disparition d'Ayrton Senna. Il offre de belles prestations et surtout la victoire à son coéquipier Damon Hill en lutte pour le titre au Portugal. Il fait une solide saison en 95, terminant 3ème du championnat en ayant pris sa première victoire lors du Grand Prix du Portugal et 5 pole positions. Impressionnant sur le papier, mais il commet encore beaucoup trop d'erreurs et manque de constance. Mécontent avec le management et en quête d'une équipe qui saura plus le satisfaire du point de vue humain, il rompt son contrat et rejoint McLaren en 96, une équipe McLaren bien moins performante qui est encore au début de son partenariat avec Mercedes, aux côtés d'un Mika Hakkinen revenant des portes de la mort suite à son crash à Adélaïde. Il fait bonne impression et prend les deux premières victoires de l'équipe en 97, devenant le premier vainqueur de l'équipe depuis Ayrton Senna en 93. Coulthard semble avoir pris la mesure de Hakkinen, mais le vent tourne dès le début de la saison 98. Les McLaren dominent, Hakkinen devant Coulthard et un tour devant le reste du plateau. Ah, ça donne une autre dimension au terme dominer un Grand Prix, hein. Mais des suites de son accident de 95, Hakkinen a des problèmes d'audition et il est persuadé d'avoir été appelé au stand. Sentiment d'injustice en interne, Ron Dennis, le patron de l'équipe, demande à l'Écossais de vouloir jouer le jeu et de rendre les commandes. Pour la deuxième fois de sa carrière, Coulthard donne la victoire à son coéquipier, symbolisant au mieux la respectueuse rivalité interne entre les pilotes McLaren. We had an agreement that whoever was to get to the first corner first, you know, we wouldn't challenge that person because that was the main part of the race, you know. I was pretty confident with that agreement that I would beat Mika to the first corner, but unfortunately today he made a good start. And when it was clear, when the team explained to me what had happened with his pit stop, I had some time to think about it and you know, I felt that was in keeping with our agreement. Mais sur le reste de la saison et la saison suivante, Hakkinen vivra dans une dimension qui lui est propre, remportant 2 titres mondiaux et 13 victoires, alors que l'Écossais prendra seulement 3 succès. Comme toute équipe gagnante, la relation n'est pas sans drama. En point d'orgue, le Grand Prix d'Autriche 99. Coulthard harponne Hakkinen au départ et offre la victoire à la Ferrari de Eddie Irvine. Il s'excuse immédiatement après la course et les hostilités n'iront jamais plus loin, mais on sent la frustration. Mais pourquoi serait-il frustré? Si Coulthard n'accusera jamais son équipe McLaren de ne pas lui donner le même matériel que son équipier, Ron Dennis, le patron de l'équipe, cédera à la pression de l'Écossais quand il lui demandera d'enfin admettre son favoritisme pour le Finlandais. En effet, le manager britannique ressent une énorme culpabilité quant au fait que Hakkinen a failli perdre la vie dans une de ses voitures en 95. 2 titres à rien pour Mika contre David, mais la saison 2000 réinitialise le compteur de points et ce dernier a bien l'intention de prendre la main. Mais début de saison difficile et il faut attendre la 3ème manche à Imola pour que les McLaren marquent enfin des points et la 4ème à Silverstone pour que DC prenne la première victoire de l'équipe. Après moult célébrations, il se hâte de retrouver son domicile à Monaco et appelle une compagnie privée pour assurer son vol de retour le plus rapidement. Mais l'avion est victime d'une panne et les pilotes ne peuvent empêcher le crash. Coulthard s'en sort indemne, tout comme sa compagne, son physio et son garde du corps, mais les deux pilotes de l'avion meurent dans l'accident. And the realization that I could have died that day, that was it, all over. 30 years old, game over. And it was a real kick up my spoiled, selfish ass. You know, I was 30 years old, I was being well paid to drive racing cars. Slightly spoiled because at that point in my life I'd been earning well enough to be independently wealthy and make decisions like I did on that day, which is instead of waiting for my normal aircraft, I woke up, decided I wanted to come home early. They found that aircraft, it turned up, it crashed, people died, and I walked away. C'est avec un état d'esprit changé et le cœur lourd que l'Écossais arrive pour la manche suivante en Espagne.
Il termine deuxième derrière Häkkinen et gagne ensuite à Monaco, s'affirmant comme l'inattendu challenger dans la lutte entre Häkkinen et Schumi. Lorsqu'il arrive à Manicourt pour le Grand Prix de France, David est deuxième du championnat avec 2 points d'avance sur son équipier, mais accuse 22 points de retard sur Schumacher. Et c'est juste derrière sa Ferrari qu'il s'élancera le dimanche, ayant échoué de la pole pour seulement 1 dixième, devançant de 3 dixièmes Barrichello et son équipier en 4e place. L'Écossais prend un bon envol, mais Schumacher vient agressivement tasser sa McLaren, lui faisant perdre sa 2e place au profit de Barrichello. Ce n'est pas la première fois que Coulthard et Schumacher ont leur friction, et cela vient s'ajouter à leur longue liste. En Argentine en 98, il fermait son virage alors que Schumacher y plongeait subitement, terminant en collision. La même année à Spa, l'Allemand le percutait en lui prenant un tour, le privant de sa promise victoire et déclenchant un début d'émeute entre les stands Ferrari et McLaren. Ayant fait entendre sa colère à de multiples reprises quant aux tentatives parfois désespérées du alors double champion du monde, rappelant aussi les incidents de Adélaïde 94 et Jerez 97, on imagine un Coulthard en furie. C'est avec la rage au ventre qu'il cherche Barrichello qui ralentit sa McLaren et il le dépasse au 22e tour. Il a désormais 7 secondes à rattraper pour retrouver Schumacher en tête. Une dizaine de tours plus tard, il est dans les échappements de la Ferrari numéro 3 et tente une manœuvre, mais l'Allemand défend encore une fois agressivement et ne se demandera pas pourquoi l'Écossais lui indiquera la direction du ciel avec son majeur. 2 tours après, avec une attaque tardive et chirurgicale, Coulthard prend la tête de la course et s'envole pour remporter la 9e victoire de sa carrière. Schumacher cédera sous les attaques de Häkkinen avant d'abandonner, offrant un nouveau doublé au McLaren. Une série d'abandons pour Schumacher dans les courses suivantes aidera au regain de forme des flèches d'argent, mais ce sera le plus proche que Coulthard sera jamais d'un titre mondial. Mika Häkkinen se réveillera en Hongrie et Coulthard sera incapable de suivre le rythme et terminera 3e du championnat. En 2001, il enregistre son meilleur classement en 2e place, mais très loin de la dominante F2001 de Schumacher. Après la retraite de Häkkinen, Dissi fera office de mentor pour un futur champion finlandais sans jamais faillir à sa tâche de donner une référence solide pour la piste en prenant 2 des 4 victoires de l'équipe lors de leur confrontation. En guise de pré-retraite, il part rejoindre la naissante écurie Red Bull, prendra 2 des 3 premiers podiums de l'équipe et aidera à fonder les bases d'une des plus dominantes forces des années à venir. Au final, David Coulthard s'avéra n'être qu'un simple, redoutable outsider, incapable de tenir la lutte pour la durée d'un championnat, mais en ce 2 juillet 2000, il démontra qu'en ses bons jours, et malgré un mental affecté par de récents événements et un Allemand irritant, il fut capable de faire trembler un Mika Häkkinen et pousser un Michael Schumacher dans ses derniers retranchements pour prendre un de ses plus beaux succès, et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie.